Êtes-vous déjà vraiment tombé en amour? Beaucoup de personnes sont assurées d'avoir connu l'amour dans leur vie. Et pourtant, c'est triste, car les gens ne sont pas tombés en amour. La raison pour laquelle les gens changent continuellement de partenaire, c'est parce qu'ils croient avoir enfin trouvé la bonne personne. En fait, la vérité est que si vous n'êtes pas capable d'aimer le créateur de l'univers que vous ne voyez pas de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre pouvoir, comment pouvez-vous faire quelque chose d'aussi mystique que d'aimer une autre personne? Je parle vraiment en termes d'amoureux. L'amour pour ses enfants, pour ses parents, pour des amis, c'est un autre amour. Mais encore là, si vous avez jamais pris le temps de tomber en amour avec le créateur de l'univers, c'est différent, c'est superficiel. Vous pouvez juste goûter à 10% de cet amour, tel un iceberg. Mais le 90% se trouve au plus profond du monde invisible et mystique. Et c'est comme ça, lorsque vous tombez en amour avec le créateur de l'univers, que vous découvrez à quel point c'est magnifique. Si vous voulez en savoir davantage, écoutez nos podcasts et aussi John Henry Westchard TV. Rappelez-vous, mon livre, le titre était Le succès est une décision, réussir est un choix. Bienvenue dans le Club des riches et à bientôt.